Yo tout le monde, c'est Kylera, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Rat Simulator, qui vient de sortir tout juste sur Steam. C'est un jeu qui a été greenlighté tout récemment, et il est sorti aujourd'hui sur Steam à 5,99€. Je ne sais pas ce qui m'a pris d'acheter ça, et je ne sais pas. C'est un simulateur de rat tout simplement, donc 5€ pour un simulateur de rat, ça fait un peu beaucoup quand même. Donc on va regarder, hein. Ce soir on peut faire des trucs magnifiques, hein. On peut monter dans le ciel, on ne sait pas. Donc on va jouer, on va tout de suite tester ça, on va se mettre en normal parce qu'on n'est pas des lopettes quand même. J'ai fait Outlast, je peux bien faire un simulateur de rat sans déconner. Donc, qu'est-ce qui se passe? Attends, je dois manger, objectif, 2 aliments mangés. Ok. Et 2, oh. Ah, cool. Alors attends. Oh. Manger. Ok, oh, j'aime bien, elle est belle. D'ailleurs, pour information, je sais pas si vous saviez, j'avais un rat quand j'étais plus jeune. Si, en animal de compagnie. Oh, il fait des gems par contre, mon gars. Attends, là. Oh non! Mais normalement, ça aurait dû marcher. Je mange. Là aussi, je mange. Par contre... Ah, je peux me balader avec! C'est quoi ce rat de fou? Le rat de malade, c'est... Je peux monter avec Michel. J'y vais, Michel. Attends. On a un problème, Michel. C'est trop lourd. D'où un rat peut porter ça? Mais d'où? Bah attends, mais mec, comment tu veux que je lance ton truc, là? Attends. Oh, on va repartir sur plusieurs tests, je le sens, hein. Écoutez, si j'arrive... Bon, écoute... Oh, j'avais réussi. Non, je peux monter direct comme ça. Bon, bah, pourquoi est-ce que je me suis embêté? Alors, attendez, je tente d'avancer. Paf. Mais... Oh. Comment je fais pour le péter? Eh. J'arrive pas à le casser. Je tente, j'ai rien à foutre. Attends, peut-être ce truc, il a... Mais genre, ça casse pas. Qu'est-ce que tu veux que je casse, Michel? Ça ne casse pas tes objets pourris. Je peux interagir avec les portes? Non, je peux pas. Ok, donc je pense qu'il faut vraiment que je... Bah, je puisse péter les objets. Donc, écoute. Hop. Allez, on monte. On est capable de le faire. Est-ce que je peux ramasser d'ici? Comment on le pète? Ah, forcer quoi? Oh! Oh merde, attends. Voilà, ta merde. Ouais, je me cache où? Ah, je peux interagir. Hop là. On se met dedans, discret. J'entends pas par contre. Je crois que l'entrée dans la salle à manger. La musique est un peu trop forte. Du coup, je vais la baisser légèrement. Parce que si un humain vient débarquer, moi je l'entends pas. Bon, je pense que ça devrait aller comme ça. C'est ça la salle à manger? Yes. Bonne nouvelle. 3 aliments mangés, 2 objets détruits. Ok, Michel. Non, non, y'a rien. Wow, 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 Michel. Y'a rien du tout. Y'a rien, casse-toi. Je suis un petit rat, c'est tout. Tu connais pas Ratatouille? Ratatouille, avant de devenir un grand cuistot, c'était quelqu'un avant tout qui aimait vraiment les aliments. Non, mais il va pas tourner autour... Pendant 10 ans quand même. Sinon écoute, je me mets en dessous. Voilà. Oh merde. Ah, il se taille, ça y est, il se barre. Yeah. Allez, Obama, salut. Est-ce que la porte peut se fermer s'il vous plaît? Voilà. Est-ce que je peux interagir avec le frigo? Ça serait vraiment une très bonne idée. Écoutez, il faut que je mange des... Merde. Faut que je mange des trucs. Hey, mais c'est pas vrai. Casse-toi là. Hein, laisse-moi bouffer ce que je veux. Une carotte. Ok. Attends. Je peux manger la boîte de céréales. J'aime bien les céréales. Oh, attends. Merde. Attends. Attends. Doucement. Là, il va me voir là. Ah, il en a rien à foutre, le mec. Il est totalement aveugle. Ah, c'est bizarre, hein. Oui, je sais. Un rat qui mange des œufs, c'est vachement bizarre, je sais. Voilà. Et là, faut péter les objets, maintenant. Bah, écoutez, ça va être rapide, hein, je pense, hein, les copains. Péter des trucs. Moi, je sais faire, hein, perso. Je sais pas vous, mais moi, je suis la professionnelle pour péter des trucs, hein. Merde!
Ah, il est revenu! C'est pas vrai! Paix! Entrez dans le salon. Ok, je vais rentrer dans le salon. Attends, attends. Je suis caché. Ouais, ouais, y'a rien du tout. Oui, je sais. Je sais, c'est très étrange, je sais. Donc, attends, il faut que je rentre dans le salon, discretos. Le salon, il est où? C'est là où j'ai été, non? Oh, c'est peut-être cette pièce-là. Ouais, c'est ça. Attends. Je panique! Ah, c'est bon, c'est bon, je suis derrière un meuble. Oh, ils sont deux maintenant! Un fromage mangé, trois pommes mangées, une banane, une carotte mangée. Ok, ok. On y va en sneaky, c'est bon, sneaky. Croyez-moi, j'ai de l'expérience dans le métier. Oh, mais lui, toi, casse-toi du salon, là. D'où? Je vais pas faire ça avec toi, mec. Ah. Attendez. Quel petit... Qu'est-ce qu'il est mignon, ce petit rat, dis donc. Oh, attendez. Oh, le mec, il fait déjà tout tomber. Il m'aide, il me donne des carottes et tout. Non, amène pas la carotte. Il est en train d'emmener la carotte. Attends, attends. Il s'en va? Non, me dis pas que l'autre, il est arrivé. Attendez, on va... Oh, c'est bon, on est bien. Non, mais... Là, va falloir que je fasse... Mais non, mais l'autre, il arrive aussi? Non. Sors. Il a failli marcher sur ma queue, le salaud. Il y a une banane, là. Attends, faut que je mange une banane. Hop, une banane mangée. Wouh! Oh, y a rien du tout, y a rien. C'est un patronus, Harry. Oui, oui, c'est ton imagination, totalement. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je mange? Ah la vache, les pommes, elles sont là. Il y a une pomme ici. Je crois que là, ça va être chaud, en fait. Attends, mec. Merde, il regardait par là. Bon, par où tu vas? Barre-toi. Splinter Cell, le roi de la carotte, ça sera moi. Allez, il me reste un fromage mangé et encore deux pommes. Là-bas, je vois quelque chose. Non, c'est une carotte là-bas. Oh, le fromage, il est là, le frampton. Ok, attends. J'attends qu'il fasse le tour. Oh. Non, mais hé, hey, oh. Ça va, hein? Fais ce que je veux. Ça va, ça se passe bien. Pour le moment, on est sur du banco. Donc là, encore une pomme. Un fromage. Ah, je l'ai pas eu, là. Oh, la pomme. Merci. Est-ce que tu peux faire tomber le fromage, s'il te plaît? Oh, mais les mecs, attends. Attends, là, par contre, il a sacrément de la merde dans les yeux, le gars, hein, parce que... Bam! Rechercher de la nourriture autour de la maison. Donc ça veut dire qu'il faut que je sorte autour de la maison. Ok. Ok, donc ça, on voit que ça active un script. En fait, c'était fixe. Oula. Pourquoi je peux pas interagir? Oh putain! Michel! Quoi? Fermé! Ah ouais, les mecs, ils sortent le truc et tout quand tu te fais griller. Ok, bon, ça va, c'est plus cool qu'un Outlast, hein. Parce que techniquement, un Outlast, ils sont moins cons déjà dans Outlast, ils te trouvent assez vite. Et le mec, il hésite pas, il ouvre le truc, il te démonte. Hein. Là, le mec, il a vu le rat techniquement rentrer et fermer la porte volontairement. Rien à foutre. Ok, donc détection 100%. Bah attends, t'as vu le nombre de personnes qu'il y a, là? Il fallait que je sorte, les copains. Donc là, j'ai 4 fromages à trouver, une pomme mangée, 2 bananes et 2 carottes. Bon, ça va. Bien évidemment, n'oubliez pas de manger 10 fruits et légumes par jour, c'est très important. Voilà, la preuve avec ce petit rat, tout mignon, avec des yeux bah, très très jolis. Ah, c'est en train de descendre, ça y est. Les mecs sont complètement nuls. Hein. Les mecs sont totalement nuls à chier. Vous voyez, la petite musique d'infiltration, la Splinter Cell revient, ça veut dire que ça y est, je peux bientôt re-rentrer dans la game. Forcément, ça doit être Locke. Oh là, c'était pas Locke. Ok, banco. It's ok. C'était pas Locke, c'était pas Locke. C'est bon. Oh, attendez. Donc c'est bon, j'ai trop... Ah. Est-ce que je peux interagir avec le frigo? Qu'est-ce qu'on a là-dessus?
Ketchup, hamburger, pomme, fromage, banane, carotte. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Oh ! Clé ! Pourquoi la clé ? Je mange. Et pourquoi faire la clé ? Elle doit me servir à quelque chose, cette clé. Bon, on saura que c'est ici. Il y a une clé. Donc je pense que ça va être pour déloc un truc. Merde. Attendez, je suis concentrée. Je sais, je ne parle pas beaucoup. Fromage. Un petit frampton. On va se mettre sur le canapé. On va regarder un petit Netflix. Céréales, ok. Écoute, on va interagir avec cette porte. Oh, le mec est... Ah, oh, putain, ils en ont tué un autre. Copain. Oh, il y a un melon. Fallait pas que je mange un melon. Ah, mais attends. Ou une pastèque, je confonds tout le temps. Non, c'est une pastèque, je crois. Ouais, pastèque. Eh, je te vengerai, t'inquiète pas. Alors, banane... Où est-ce que tu veux que je trouve ça, là? Trouver la clé pour rentrer. Mais c'est bon, je l'avais, la clé. Je sais où est-ce qu'elle est. Elle est là. Mais qu'est-ce que je veux essayer d'interagir avec? J'ai pas le droit. Il y a un bug? Ça. Ouais, bon bah hop, les vampires. Allez. Je peux pas la ramasser, la clé. Je ne peux pas interagir avec cette clé. Donc il y a un problème là. Est-ce que c'est parce que ça fait pas partie de ma mission pour le moment? Écoutez, je peux pas interagir avec. Oh merde. Non, je peux pas. Donc je pense que c'est parce que pour le moment ça fait pas partie de ma mission. Écoutez, on va se tailler. Je vais la laisser ouverte cette porte. C'est comme ça, je sais que c'est ici. Donc peut-être qu'en fait il faut que je rentre dans les autres maisons, mais à le côté intérieur. Donc là, c'est l'extérieur. Donc attendons, on va tester. Hein. Ah, c'est bien, j'ai bien complété, sans déconner. Donc en fait, c'est des malins, c'est pas dehors, c'est bien ça, c'est dans les maisons qui font interagir. Donc les maisons qui sont dotées de portes à l'extérieur. Bon, on va essayer d'en trouver. Hop. Je vais essayer d'aller derrière ces baraques là. En plus j'y ai pas été je crois. Il y avait le garage donc peut-être que on peut avoir une issue. Ça va, on n'est pas trop abîmé par le boost. Il est, en fait on peut le, il se régène vachement vite. Donc ça va. Bon point. Ah, c'est con que les graphismes soient pas meilleurs, ça aurait été excellent. Bon après on va pas se plaindre non plus, ils sont déjà très bien. Bon déjà pour 5€ pour le moment ça va quoi. Mais voilà, faut vraiment aimer ce genre de truc quoi, c'est un truc rigolo quoi. C'est pas du tout, faut pas y aller pour l'action pure et dure hein. Alors, y a pas une porte s'il vous plaît, je veux juste une porte. Une porte. Oui, bah ça, je sais que je dois compléter mon objectif, mais t'es marrant, toi. Là, ça me fait... Faudra m'expliquer comment un rat est capable d'ouvrir des portes comme ça. Attire la rigole, machin. Ah, ils ont de la merde dans les yeux, c'est... C'est choquant, là. Ok. One. Une banane. Yes. Oh, putain. Rien du tout, Michel. Ouh! Mais qu'est-ce qu'ils sont nuls? Attendez, j'ai vu l'objectif final. J'ai vu la last. Ouh! Obtenez
La peste d'une benne à ordures à proximité à l'intérieur. Bon bah du coup on va s'arrêter là mes petits loups pour cette vidéo. J'espère maintenant qu'elle vous aura vraiment plu. Moi ça m'a fait rire, c'est assez drôle. Donc je vous mets tout en barre d'infos au cas où si vous voulez l'acheter ou quoi que ce soit. Le jeu est en plein développement hein, donc il a pas fini d'évoluer. C'est un jeu drôle, après 5€ c'est un petit peu cher. Mais bon ça donne un coup de pouce aux développeurs et voilà en tout cas c'est bien fun. En attendant n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si elle vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Snapchat. De toute façon tout est listé en barre d'infos. En attendant je vous fais de gros bisous, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.